Bonsoir. Yo, salut à tous, on est à la Red Box à Angers avec votre caprod. Comment tu vas? Ça va et toi? Il a accepté de tester le VTT Trials. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Pédale, pédale. Wow! Du coup, on change le sport. C'est à moi de passer sur le parc. Je t'avais, il y a 3 mois et demi, je me suis cassé la main en tentant un backflip. Donc aujourd'hui, faut pas rester sur sa peur, on va le tenter. J'espère qu'il va me motiver pour le faire. Déjà, on va se faire quelques tricks sympas, voir un peu comment ça saute, apprendre quelques figures, peut-être qu'il peut m'apprendre des trucs. Et puis on verra. Restez bien jusqu'à la fin, le backflip c'est peut-être aujourd'hui. Je sèche un petit peu les rampes là, parce qu'il a plu hier. Et après, on va aller attaquer le backflip. Ah, c'est bien. Ok, bon, c'est lui, mon coach, enfin, c'est votre cas maintenant qui va me conseiller, m'apprendre quelques... À part le backflip, ouais, de toute façon, en fait, on a rien d'autre à apprendre, il y a que ça. En vrai, c'est ça, quand tu fais du BMX, les gens, ils disent, tu rentres le backflip et tout. Le plus dur dans le backflip, c'est là. C'est là, ouais, se dire, là, ça passe ou ça passe. C'est là, je tire tout ce que j'ai. Ouais. Moi, souvent, soit je fais de la merde au début, et dans ce cas-là, je balance le vélo, mais c'est nul. Soit je me dis il faut que je tire à fond et je suis au mieux tas et tire à fond, tire à fond comme ça. Ouais. Moi c'est ce que je m'arrive souvent. On se fait 2-3 sauts déjà. Non, tu vas direct toi. Ok, le truc cool pour lancer le backflip, c'est qu'il y a une résille. En fait, c'est le truc noir que vous voyez là-bas, là. Et en fait, c'est genre un espèce de matelas qui fait 10 cm, on va dire, d'épaisseur. C'est un matelas gym, en fait, directement. Un matelas gym, ouais. Donc comme ça, au moins, si on rate le truc, ça amortit un petit peu. Ça amortit c'est pas... parce que ma résille, elle est vachement dure. Ce que je voulais, c'était une résille quand même qui puisse être roulable. Ouais. Mais je me fais encore petit saut à blanc, là, sur le côté. J'aimerais bien arriver derrière, déjà, parce que... Enfin, en vrai, c'est dur, ça va être facile. Pas prendre du speed. Ouais, ici. Ah bah si, ici, faut vraiment que tu fasses. Je pensais que ça partait plus. Ouais, parce que toi, c'est chaud, mais moi, j'ai rien fait en fait dans l'histoire. C'est ça le truc. Ouais, c'est dit, vas-y, va plus direct. Moi, j'avais pas fait de vélo encore. Voilà. Là, je pense pour le bac, faut bien pousser en bas, non? Parce que oui. J'ai l'impression de pas arriver vite, hein, moi. Tu pousses bien là dans la. Tu lèves comme sur ici, et là, tu pousses bien. Là. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, j'étais bien. T'as fait du speed un peu là. Ouais, bah c'est ça en fait, tu peux vraiment un petit coup de pied en bas. Et toi. On l'a vu la position qu'il y a là. Ouais. T'es arrivé des mots, ouais, grave. Allez, on panique. Bon, allez, on attaque les figures, c'est bon, je suis chaud. 3-6 3-6. Sur la résine, peut-être moi. Ouais, ouais, ça va. Mais t'attends de sortir de la courbe. Allez, 3-6, c'est parti, première figure. Il va se faire dur. Pas le sable. T'es fait exprès le pied là? Ah, je crois que c'est le pied de la panique. Ah, je crois que t'allais partir sur la rive, moi. Non, moi je suis là-bas. Là, faut que tu te fasses pareil. Je me sens mal un peu. Ah, là, tu me rassures. Les gens, ils vont dire oui, mais dur. Ouais, mais en fait, oui, c'est dur. Ouais. Par contre, tu me motives à faire 3-6 au fond. Ah. Ça, c'est galère. On se motive, c'est ça le but. Et ça, j'y arrive. Tu vas le faire, vas-y. J'arrive trop souvent. Ah, c'est pas naturel du coup. Ah, c'est surtout que tu comprends pas parce que ta tête, ton corps part, ton vélo part comme ça, ta tête elle part comme ça. Ça, ouais, ça devrait être ta réflexe. 3-6 oppose qui veut tenter en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire naturellement nous on est pied droit devant donc on a envie de tourner sur la gauche. Et toi, oppose ça veut dire qu'on est sur la droite quoi. C'est ça. Un sens qui est pas du tout naturel. Allez, ouais, le mec qui arrive, on se motive aujourd'hui. Oh là, oh là. Ouais, chaud, on est là pour ça. Ah, tu pars. J'avais l'impression d'être un pantin là. Faut que tu... Regarde, c'est que tu laisses cette jambe. Et puis cette top, elle est tout stoppée. Tu souffles. Même pas, moi je fais ça en l'air. Ah ouais. C'est le truc que je dis donc. Ah, si j'y arrive, très bien. Ah ouais, mais on m'a pas dit ça. C'est vrai que je parte comme ça en fait. C'est ça. Ouais, je l'essaye. Allez, je rêverai pas, mais je l'essaye. Là.
Ah, et maintenant que tu l'as. Oh là là. Chaque sortie, elle est magique. Non, mais de plus en plus, t'as vu. Tout à l'heure, je suis parti comme ça, là, j'arrive à faire ça. Là, ça commence, ça commence. Ça commence. Ah ouais, je vais essayer ça. 3-6 là, 3-6 là. Le seul problème de ce truc, c'est que en gros, des fois. Non mais c'est plus à quel moment je lance. Tu lances trop tôt. Je pense pas. T'as beaucoup à monter. Ouais. Tu lances trop tard, tu décolles pas parce que t'es déjà là. Tu t'appuies sur l'avant ou pas? Non, tu le lances comme un normal. Non, comme un normal, mais il faut lancer par. Tout ça pour dire que ça joue plus à certains millimètres par rapport à ça ou. Ouais, t'as pas de repère quoi. C'est ça, t'as zéro repère. De toute façon j'en ai pas là. T'inquiète pas, j'ai zéro repère là dans tous les cas. Bah lance tout alors, bah c'est ça. Tu vois ce que je veux dire du coup? Ouais. Mais là j'allais pas assez vite par contre. Ouais. Ouais, est-ce qu'on peut appeler ça un 3-6 en fait? J'arrive un peu genre 3-6. En mode. Non, t'as fait 3-6. Un peu en mode dégueulasse. Tu t'es amusé? C'est de participer. Non, si tu t'es amusé, on est bon. On s'est amusé. Maintenant, niveau rotation, t'as compris dans ce sens-là. C'est dans l'autre sens. Ah ouais. La tête en bas maintenant. C'est ça. C'est la même chose, mais. Alors, on n'a pas vu ton loco hein, toujours, hein, mais bon. Non, parce que je peux le faire tout de suite. Ah. Regarde pour ma chaîne. Oui. Je fais une vidéo, j'ai réussi. Le beurre sur sa chaîne. La figure de l'année. Non, je crois que j'ai réussi une fois et encore c'est pas très beau. Quoi. En fait, ça fait que j'y arrive et t'as les deux roues qui tombent. Tu vois, ça fait. Bah, tu sais quoi, je vais l'essayer une fois. Ah, j'ai envie de voir. Comme ça, si des fois je lance quelque chose, peut-être ça va le motiver. Déjà, en général, quand tu te dis je fais un trosse pro, t'arrives en bas, tu fais un trosse normal. Et tu t'imagines tellement pas dans un autre sens. Non, mais tu sais, j'ai un avantage, c'est que comme tu dis, toi t'as les réflexes. Moi j'ai zéro réflexe. Ah, quand tu vas à droite ou à gauche, c'est pareil en fait. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle la chance des débutants. Mais bon, 3-6, on l'a déjà fait avant. Non mais ça c'était pour te dire, t'as vu je l'ai passé. Ouais, t'as fait un 3-6 dans l'autre sens. Ah, c'est ça. Ouais, t'es sûr, c'était le bon sens. Non, c'était le mauvais sens. Ouais, ouais, c'est ça, je dis rien quoi, mais c'est à toi maintenant. Bon, j'aime pas trop les provocations, c'est chiant je trouve. Je trouve ça nul. Je parle, parle. Non mais si y'a tout ça enfantin de provoquer sur les trucs, il y a personne qui te booste. Oh là là. Ah ouais, d'accord, ok. C'est facile. Ouais, ok. Voilà. Ça s'appelle une punition, ça. Midi, ça va quoi. Je commence à avoir faim, ça m'énerve. Le mec, il est énervé. Putain, mais en fait, j'étais bien là. Oh, putain, ça a vraiment fait le chip. Je pensais qu'en plus, vraiment que tu partais sur un 3-6, j'ai dit bon, allez, vas-y, va l'essayer. Ok, mais la pression directe. Après avoir fait 3-6, de toute façon, il va se prendre le bas. J'ai dit aux gens de venir, j'en fais de la grille, je sais pas le faire, salut. Franchement, la seule chose qui peut t'arriver, c'est de faire over-rota et de partir comme ça, et de taper ta tête comme ça. Ouais. Mettre un casque. Moi, j'aime bien avoir le casque intégral, genre là, j'ai un petit casque. Casque intégral pour une chute comme ça, ça change rien. Ouais. Bon, bah, allez. Hein. C'est juste en avant, mais là, en arrière, tu vas juste taper la tête, ça va sonner un peu et ça repart. Et soit tu le fais, soit tu le fais pas. Ah ouais, mais non, essaye pas, quoi. C'est... Attends, je refais un 3-6. Oppo. Non, juste un Oppo pour lui. Oppo, petite piqûre. Grand flip. Petite piqûre de rappel, comme quoi je l'ai passé et que j'y arrive à tous les coups. Voilà, c'est fait. C'est alors forcément. Avec attention parce que. Là en général, tu sais, là quand je suis chaud, ça enchaîne, backflip. Réfléchis pas, mets-toi en boule. Ah ouais. Voilà. C'est ça qu'on veut. Bon, il reste quoi là? Bah rien. Du coup, j'ai un 3-6 au pot en avant. Si, il reste flair. Ah. Ah. Non, je suis refait là. En vrai, je suis refait. Franchement, bien joué. C'était vraiment en vrai, presque mieux que moi. Mais il y a eu un petit chip. Non, mais après, il faut prendre en compte qu'il y a eu le 3-6 au pot avant, que je reviens, j'ai la fatigue et je l'enchaîne. C'est genre un petit trick en mode compète, tu vois. Bah, du coup, flair. Flair, vraiment. Tu fais. Non, attends, demain j'ai des démos. Si je me casse la main encore, tu vas rien me casser. En fait, je visualise même pas. Autant le backflip, je me dis qu'il faut aller là. Ouais. Le flair, tu sais, je vais arriver dans les airs. Bah, regarde, faut faire tu pars pareil droit. Et ta tête, elle tourne un peu sur le côté. Elle regarde sur le côté, et du coup. Ton vélo, on va faire une rotation. Non, mais on va se faire mal là. C'est la vidéo, ça fait un moment. Ouais. Bon, attends, je fais une deuxième fois un backflip. C'est derrière. Tout chaud. Yes. Oh, à plat. Wow. Celui-là, je me suis dit, je vais me laisser aller. Chill, le mec. Ah, ça fait plaisir, le retour du backflip. Ça, c'est une bonne morale pour cette fin de vidéo, c'est les gars, faut jamais rester sur un échec, et c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Il m'a dit, un jour je suis arrivé trop court comme moi, il a recommencé direct. Et ça, c'est la philosophie des riders, si vous tombez,
enchaîner direct. Bon, moi j'étais la main cassée, donc j'ai dû aussi un dernier essai avant de partir. Ça, c'est le pire truc qui peut vous arriver. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit. Soit tu arrives direct, et c'est très rare. Soit tu t'éclates parce que tu dis je vais tout lancer. Ou alors, les mecs, regardez. C'est ça, ouais. Et justement, t'es tellement en pression que tu donnes tout. Et moi, j'ai changé ma technique pour voir la flèche. Je fais une dernière fois, vas-y. Et en fait, j'ai changé ma technique et c'était plus bon. Et je suis tombé. J'ai compris le truc, j'ai trop simple et j'ai pas assez tourné. Faut pas. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à lundi prochain, 18h. Abonnez-vous à sa petite chaîne si vous ne connaissez pas. C'est un petit truc. Allez, ciao les gars. Salut.